Moi, j'en ai 20 petits-enfants. Même pas un coup de téléphone, rien, rien, rien. Puis il y en a beaucoup de personnes âgées qui sont comme moi. Bien, qu'est-ce qui va te manquer? Je pense que c'est d'être moins autonome. J'aimerais bien ça, être en forme comme à 20 ans, là. Mais je suis pas aussi vite, puis je perds mon équilibre très vite. C'est pas facile. C'est pas facile. Ce qui me manque le plus, c'est se coucher collé. On se réveille, on se recolle. C'est juste ce côté charnel de base, là. Si, mettons, rendu une certaine âge, tu fais un paquet de voyages, puis tout, avec ta femme, tes enfants sont grands, sont partis, t'ennuieras pas. Mais si tu tombes veuf, tu vas t'ennuyer. Ça manque énormément. Là. Tu te retrouves seul, il fallait voir seul. Des fois, ça peut être risqué. Il y en a qui décèdent, tes parents, tes oncles, tes tantes. Là, tu te retrouves de plus en plus restreint dans tes connaissances. On est toujours seul. Si la personne ne veut pas s'ennuyer, il y a plein d'activités pour les gens âgés. Là. C'est plein partout. Je m'adapte à la solitude. Je sors beaucoup, je suis pas souvent chez nous. Ça, c'est le secret pour se garder en forme. Faut que tu t'occupes, faut pas que tu restes à rien faire. Faut rester assis à regarder la télévision en journée. Faut grouiller, faut bouger. J'organise ma vie pour pas m'ennuyer. Tu sais, j'ai un agenda, là, c'est plein, plein, plein. Là. C'est ça qui nous tient vivants. Là. Faut pas dire que je suis pas une personne ennuyeuse, moi. Mais c'est quand je me regarde dans le miroir, ben je me dis, oh là là, c'est pas mal fané.